Bonjour, nous sommes mardi 26 mars, il est 13h30 bientôt et justement j'ai rendez-vous à 13h30 à la maison, une personne de chez DPD, mes nouveaux transporteurs pour la box. Donc elle va venir, la personne que j'ai déjà rencontrée, me donner l'imprimante thermique pour installer les modules, il va falloir paramétrer tout ça. Donc ça c'est chouette, je suis un peu angoissée parce que j'ai peur que ce soit pas si simple et j'ai envie que ce soit fluide pour que moi en tout cas je sois un peu plus tranquillisée. Je vais garder Colissimo que pour la partie belge et puis bah, après le reste de la France métropolitaine ça sera DPD. Concernant son dernière vidéo où nous étions au Mans, je vous avais dit voilà ce qui s'est passé. Sachez que l'organisatrice qui nous a dit ne vous inquiétez pas, on va vous rembourser, et bien l'intégralité a été remboursée dès le lendemain. Franchement, elle a géré, elle a tenu sa parole et je tenais à le dire quand même parce que bah, ça fait bien plaisir. Et là, on a un petit Biou qui fait sa sieste. Je pense qu'il s'adapte au temps. Il fait gris, il pleut. Je crois que tu as raison, bébé. Je vous présente mon imprimante thermique. C'est la première fois que j'en ai une et je pense que ça va me changer beaucoup de choses. Regardez la rapidité. Alors, attendez. J'ai mis une adresse fictive et hop. Yes! Bon, voilà, ma petite formation est passée. Ça a duré, on va dire, une bonne heure. J'ai pu poser toutes les questions. Je pense que ça va me faire gagner un temps fou. Je sais que si je suis amenée à avoir le moindre problème, j'aurai un interlocuteur. Même vous, pour les livraisons, ça va être un truc de... ça va être génial. J'ai pas du tout fait gaffe à l'heure, parce que là, je viens de faire une petite session pour me familiariser. Coucou, mon chouchou. Je sais pourquoi t'es là, parce que c'est bientôt les croquettes qui tombent. Et ce soir, c'est crêpe partie chez ma maman pour l'anniversaire de ma fille. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de crêpe partie. C'est comme un peu la raclette. À chaque fois, je dis je mangerai. Je crois que ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas fait. C'est bien dommage. Ah, j'ai 5 valets de test. On m'a donné ça et on m'a dit que c'est une nouveauté et que c'est super. C'est le Glow Maximizer Forever de chez Dior. C'est des enlumineurs de pas mal de couleurs. Tu peux le mettre sur tes paupières. Tu peux le mettre bon, bah là, en highlight. Ça ressemble à ça. Et j'ai bien envie de me tester le glow. Parce que regardez, moi, elle m'a donné un rosé. Ah, 4 heures. C'est les croquettes de Jackie. Vous avez vu? Il y a tout un dégradé. J'ai bien envie de me le tenter, là. Voilà ça. Disponible en 6 teintes, illuminateur blush ou bronzer. Ah ouais, c'est foncé quand même. J'ai bien fait d'essayer là. C'est foncé. C'est très foncé, attends. Je vais me mettre devant la glace. J'ai pas trop de retour. Ah si, j'ai l'impression que je le vois là. Et il y a également en nouveauté, moi qui adore tester, le Glow Star Filter. Ça doit être un truc, un fond de teint, j'imagine. Un nouveau fluide perfecteur. Oh, c'est léger ça. Et on a également le nouveau teint 24 heures. Ça me plaît un petit peu plus. Oh, je vous dis que le teint, c'est pas ça. La tristesse. Je vais chercher des petites boissons pour ce soir. J'ai plus de coton. On en profite. Elle est magnifique ta table. C'est vrai ? Ah oui. Mais t'as trouvé, elles sont belles ces petites roses là. J'ai le clair. Ah ouais. C'est une nouvelle journée. Écoutez, tout va bien de mon côté, il n'y a pas eu d'excès. Je me suis pris juste un petit cocktail que je me suis dosé moi-même avec mon concombre, bien parfumé, et ça suffit. Franchement, j'ai vraiment l'impression, plus ça va, et plus je suis intolérante à l'alcool. Ça commence par des rashes, vous savez, très rouges. C'est rouge, 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 mais genre au bout de 2 gorgées quoi. Et très vite, je sens que il faut que j'arrête, sinon ça va me taper dans la tête. Ça n'arrête pas. Nous avons donc été coupés. Je disais que ouais, je pense que je suis intolérante à l'alcool. Donc je me contente de prendre un, voire deux, mais micro-dosé pour pas non plus que ce soit trop costaud. Et ce matin, franchement... J'ai pas bossé des matchs, j'étais plutôt en train encore de me familiariser avec ma nouvelle imprimante. Si j'ai fait quelque chose de bien, c'est que j'ai passé aussi une commande pour le cadeau d'anniversaire de ma maman. Le 1er avril c'est un lundi, c'est lundi férié, donc je préfère m'y prendre à l'avance. Je pense que je vais le recevoir là, dans 2 jours. Et voilà, donc cet après-midi, déjà c'est mercredi, il fait beau, le ciel est bleu, j'ai trop envie de bouger, en plus bah Eric il a pas cours. Je vais voir, je vais lui suggérer. Voir si on bouge un petit peu ou pas, sinon bah, de toute façon j'ai du taf.
Allez, je vais monter tout ça, c'est plié, laver, repasser. Les chemises d'Eric également. Bon, je crois que j'ai bugué, il s'est passé 4 heures depuis la dernière séquence. Et il s'est passé également autre chose, vous savez, l'organisatrice du Mans, qui nous a déjà tout remboursé, a envoyé un nouveau message. Franchement, c'est hyper pro. Je vous le lis, c'est mieux. Oh non, c'est tout à fait normal parce que on l'a remercié d'avoir remboursé. Nous sommes encore désolés pour ce week-end. J'espère que vous avez trouvé un restaurant hier midi et que vous avez passé un bon moment avec votre famille et vos amis. À l'année prochaine et je note pour vous accueillir comme des VIP. Rendez-vous en 2025. Franchement, est-ce que c'est pro? Bah oui. Concernant également ce que je vous disais, le temps c'est de nouveau, laisse tomber, il pleut. Et j'avais complètement zappé, mais Eric doit partir. Donc bah, c'est pas grave, moi je vais faire ce que j'ai à faire et puis me mettre à bosser et m'avancer. De retour le lendemain, c'est jeudi matin, la doudoune est de sortie, hein. Ça pèle, il fait 6 degrés, il y a un vent qu'on entend d'ailleurs. Là je vais faire les courses parce que je pense que ça fait 3 jours que je dois aller faire les courses et que je repousse. Donc là, la voiture elle vient de faire ça. Tu te calmes un petit peu? Ouais, donc je vais faire les courses. Et ça c'est déjà bien. Le retour ce matin, pour mon plus grand bonheur, de la névralgie dans le fond d'œil. J'ai eu une accalmie pendant une petite dizaine de jours, non à peu près. Et là ça repart. Waouh, mais j'en reviens pas. La tempête. La boulangerie pâtisserie de Leclerc, à chaque fois elle donne envie. Hein. Petite dégustation. J'adore les éclairs au café, je me suis découvert une passion. Je traîne, il est déjà midi. J'ai mon œil qui pleure là. Il faut que je retrouve ces fameuses cacahuètes au B, c'est excellent. Il est presque midi 40. On pourrait vite faire après parce que là on va manger. Je t'ai pris un sandwich, poulet, je ne sais plus que je pense. Et moi, ça va être une salade italienne. Voilà. Un petit nectar d'abricot, ça me donnait bien envie aussi. J'ai pris un petit éclair au café. Il caille. Et la tempête, c'est quelque chose. Hein. Vous avez vu donc mon œil? C'est pas très joli. Est-ce que tu veux de l'aide? Je rigole pas en fait, tu descends. Donc Eric est reparti, là il doit être 14h. J'ai tout mis là. Du coup, j'ai une petite idée, quelque chose qui me tente bien. Non, vraiment, arrête. Oh, putain, t'es chiant. J'ai envie de couper ce poivron donc en deux, le vider bien sûr, mettre du fromage frais, soit du chavreau, soit du fromage classique, et une mangue, faire des petits bouts de mangue. Je pense que l'association poivron, mangue, fromage frais, on tient peut-être quelque chose, mon Jackie. Tu penses? Voilà. J'ai pris, alors ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu une grenade aussi belle. 4 euros, hein, un peu plus de 4 euros la grenade, quand même. Mon gingembre confit. Comme ça, j'en prends un le midi, des bananes, ça je vais me dépêcher, c'est ce que je mange le midi, mes petites tendres fines parce que c'est bon, des rillettes de poulet, un peu de viande, ce petit lait végétal est pas mal avec le goût de noisette, j'avoue je l'aime bien. J'ai trouvé finalement les fameuses petites cajou cacahuètes au 5B, c'est exceptionnel. J'ai pris pas mal de petits yaourts comme ça, Eric il les aime beaucoup, moi je me suis pris mes végétales. Le café, alors oui, c'est sûr, c'est pas le vrai liégeois café, mais moi je l'aime bien. Stracciatella, je le trouve plutôt réussi, même en version végétale. Tiens, je l'ai pas bu au fait, j'avais pris ça pour ce midi. Voilà. T'es pénible. Si, vraiment. Il ne me reste plus qu'à tout ranger. Je te vois me donner des petits coups. Il me donne des petits coups de tête. Eh oui, c'est toi qui as fait tomber ça. Ça aussi, je l'aime beaucoup. Les petits pois légumes verts en soupe. Il est 15h30, je vais repartir là. Juste avant, j'étais en train de faire tous les visuels de la box d'avril. Je l'ai appelée la prestigieuse ou prodigieuse, je ne sais plus. J'ai mis donc un petit encart un peu représentatif. Voilà, donc passez pas à côté, elle est en commande là maintenant et jusqu'au 10.
comme chaque mois, jusqu'au 10 avril. Et là, je file à Panza Shop. Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai fait du tri, là, ces jours derniers, dans mes fringues, j'ai essayé, notamment les jeans, et je me suis rendu compte que soit ils étaient trop petits, soit ils étaient trop grands, troués. J'en ai deux ou trois qui sont troués. Donc, je vais aller à Panza Shop voir si ils ont des bottes cotes. Parce que moi, je cherche vraiment le bottes cotes. Vous savez, c'est le jean bien serré au niveau du genou et légèrement évasé vers le bas. Je trouve qu'au niveau de la silhouette, c'est hyper flatteur et il ne le faisait plus. Donc là, j'espère qu'il y en aura. Et voilà. Ben oui, ça s'ouvre. C'est la tempête. C'est la tempête, moi, Jacques. Par contre, je suis en train de me dire que je vais peut-être changer. Je vais peut-être remettre ma doudoune. Ça me paraît un peu light. Est-ce qu'il y a... Moi, ici, il y a du Levi's, mais moi, le Levi's, ça me va pas trop. Ah, ça, c'est une super marque, ça. Là. J'aime bien, ça. Déjà, je sais que ça, c'est le genre de modèle qui peut être sympa. Je cherchais un bleu un peu plus clair. C'est assez sombre. Il y a l'aération juste au-dessus, je sais pas si vous allez entendre, mais franchement, c'est taille 36. C'est très légèrement, vous avez vu, évasé. Il sert bien. Elle m'a dit ouais, faut prendre ça parce que après je vais être trop serré sur l'autre. Non, il va être trop grand. En plus, il y a de l'instant. Voilà. 44 euros, il est top. Il est vraiment bien. Bon, je suis de retour. Je suis contente du jean. On ne s'est pas trouvé, puis pas cher. Enfin, pas excessivement cher. Ce week-end, ça vous le verrez dimanche. Vous le verrez dans le vlog de dimanche. J'ai été invitée. En tant qu'invité spécial, est-ce que c'est beau ? Bah moi je trouve ça cool. Voilà, on m'a proposé ça il y a un mois. Et donc je vais vlogger tout ça. C'est de la mode, un défilé notamment, et donc je suis l'invité. C'est chouette. Donc je pense que dimanche ça sera en ligne probablement. Là, vous l'aurez compris, il faut que je me mette au boulot, au motage notamment. Je suis fatiguée. Je suis très 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 fatiguée. Peut-être que ça se ressent. Dans les vlogs, moi je le vois au moment du montage, cette lassitude de fatigue accumulée, comme je vous dis, de sensation de déjà tu te réveilles, t'as l'impression de pas avoir dormi, ça me rend dingo, cette persistance là, et toujours je pense ma carence, enfin tout fait que, et puis des choses qui me prennent la tête, enfin... Oh, j'ai envie de, je sais pas, de faire un petit reset, et puis je pense que le temps il fait beaucoup, le temps ouais, ça joue. Donc vivement des petits rayons de soleil et tout ça. J'arrête et je vous dis à dimanche pour le vlog prochain. Ciao.